Salut les mobeurs, voilà une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de mon Z3. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur mon allumage, en fait, allumage d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçu que je n'avais pas de repère sur le relais magnétique et aujourd'hui, je vais m'atteler à le trouver. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, un coup d'éclairage, voilà. Alors, je vais trouver mon repère sur le volant, en fait, grâce à cette lampe. C'est une lampe stroboscopique, quoi, voilà, quoi, qu'on m'a conseillé d'acheter. Alors, pour la petite information, il faut savoir qu'elle fonctionne grâce, en principe, il faut la brancher sur une batterie, vous savez, une batterie de voiture, parce que ces appareils-là sont faits pour les voitures. Le problème, moi, c'est que sur mon bled, comme on le sait tous, il n'y a pas de batterie. Alors, donc, j'ai fait système D. Je l'ai branché directement, comme on peut voir là, sur un chargeur d'une lampe, en fait, une lampe rechargeable, quoi. En fait, c'est un chargeur de 12 volts. J'ai trouvé le plus qu'il faut brancher, en fait, sur la cosse rouge qui est le plus, hein. Ça, c'est pour respecter les polarités, hein. Sinon ça grille, hein. Donc voilà, quoi. Et grâce à ça, je vais pouvoir essayer alors, c'est dur avec une seule main, c'est pas forcément évident. Alors, je vais essayer de caler ma lampe là. Alors, j'espère qu'on y voit très bien. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait au feutre un petit trait là sur la platine et j'en ai fait un deuxième, comme on peut voir ici, sur le volant magnétique, quoi. Alors, ce trait là au départ, je l'ai fait pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai lu le bouquin tout sur le Z3. Ah, mais je tremble, ça, c'est pas agréable, quoi. J'ai lu le bouquin, en fait, tout sur le Z3 SP SPX, comme on dit, et le gars, en fait, qui a fait ce livre, il dit que sur ces fameux allumages électroniques, quoi. Ici, je vais vous montrer ça. Là, en fait, vous voyez, voilà, on a un capteur. Vous voyez, en plus, là, il y a la fameuse plaque qui, quand cette plaque passe devant le capteur, crée l'étincelle sur la bougie. Le truc, c'est que, d'après ce qu'il explique, attendez, je vais essayer de poser ma lampe. Là, attendez, voilà, petit réglage. Hop là. Oh, punaise. Alors, c'est pas forcément évident de tout faire d'une seule main. Voilà. Je suis désolé pour l'attente. Donc voilà. Alors, comme je disais, l'allumage, en fait, ici, alors, je sais pas si on voit très bien. Voilà. Ici, il y a une plaque, quoi. Quand cette plaque passe devant le capteur, le petit boutonneux, je sais pas, attendez, je vais essayer de plus me rapprocher. Voilà. Il y a un petit boutonneux sur ce capteur. C'est ça qui crée, en fait, l'étincelle. Il explique que sur le livre, quand le volant arrive à ras la plaque, comme je vous montre là, vous voyez, c'est à ce moment-là précisément. Vous voyez, que l'étincelle se fait. Donc, c'est ça. En fait, j'ai pas éclairé aujourd'hui parce que il me faut, pour faire fonctionner la lampe, j'ai dû faire comme ça, quoi. Alors, vous voyez, alors j'ai fait la trace là grâce au repère de la plaque qui, bien sûr, qui est soudée sur le volant magnétique, quoi. Donc, sans plus attendre, on va faire déjà un premier essai. Je vais démarrer la mobilette et je vais voir où est-ce que ce repère que j'ai créé, moi, déjà sur le volant, est aligné avec celui de la platine. Donc voilà, j'éteins tout, je suis obligé, parce que sinon on va rien y voir, quoi. Alors, attendez, voilà, tout est branché. Voilà. Comme on peut voir, vous voyez, les deux repères, hein, ne sont pas forcément calés l'un en face de l'autre, mais ils y sont presque, quoi. Ça, c'est juste au ralenti. Voilà. Alors, attendez 2 secondes. Alors, j'ai dû couper la caméra parce que, avec une seule main, j'aurais pas pu éteindre la mobilette, quoi. Donc, voilà, comme vous avez pu voir, alors attendez, je vais essayer de les raligner devant. Vous voyez, on voyait que tout à l'heure, en fait, à peu près, je crois que les deux repères, en fait, n'étaient pas forcément alignés. On va dire que grosso modo, j'étais comme ça, je crois. Si je dis pas de conneries, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais effacer ce trait et je vais en créer un deuxième là, juste à côté, pour voir si c'est vraiment le repère d'allumage, il est vraiment là, quoi. Ce qui va me permettre après de pouvoir régler mon allumage, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Donc, deuxième essai, voilà. Alors, je vais essayer de zoomer. Alors, je sais pas si on le voit très bien. Voilà, j'ai effacé le premier repère. Alors, attendez, je vais essayer d'enlever la lampe parce qu'elle est éblouie plus qu'autre chose. Vous voyez, j'ai levé le premier repère là, je l'ai décalé de quelques millimètres et j'ai refait même le repère qu'il y avait sur le patine. Donc, ce qu'on va faire là, c'est un deuxième test pour voir si ces deux repères là sont vraiment alignés l'un à l'autre. Voilà. Alors, on va poser la lampe.
même l'éteindre, même à la limite. C'est plus judicieux. Voilà. Alors, petit coup de démarrage. Ah. Et en fait, c'est là, c'est pire. Hein. Il est plus aligné du tout, quoi. Hein. Vous voyez. En fait, je vois que même, c'est pire qu'avant, quoi. Je sais pas si on y voit très très bien, vous voyez. Les deux repères ne sont pas alignés du tout. Bon, je vais éteindre. Donc troisième test que je vais faire là, donc voilà. En fait, c'est moi qui tout à l'heure qui me suis trompé. Le trait de départ, en fait, je ne sais pas si on le voit très bien, était plus ici. Et moi, je l'ai dessiné à droite au lieu de le mettre à gauche comme maintenant je viens de faire, quoi. Donc je pense que là, je ne devrais pas être trop mal. Et on va faire un troisième test et on va voir si c'est bon. Hein. Voilà. Hop. On éteint la lampe. Ah, il va falloir que je pose le téléphone pour rebrancher la cosse de l'allumage. Voilà, ça y est, j'ai branché la cosse. En fait, elle a été débranchée. Donc, d'une seule main, ça n'aura pas été évident de la remettre. Ce qui fait que là, on va refaire un troisième test. Voilà. Et là, comme on peut voir, maintenant, vous voyez, je suis quasi. Voilà, on va dire, allez, à un millimètre près, quoi, je suis aligné, quoi. Là, c'est bon. Hein. En fait, hein, vous voyez, c'est parfait, quoi. Et là, pour moi, c'est impeccable. Hein. Maintenant, j'ai mon repère. Hein. Voilà, j'ai tout arrêté. Donc, voilà, un coup d'éclairage. Excusez-moi. Mais bon. Alors, on va dire que je suis en fait légèrement là, quoi. Vous voyez, ça c'est même pas un millimètre, c'est on va parler de dixième de millimètre. Mais bon, on sait que voilà, l'image lui, il est parfaitement et de son aligné. J'ai trouvé le repère de sur mon volant, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir le régler maintenant. Quoi. Ça c'est nickel, ça c'est une bonne chose, quoi. Ben voilà, quoi. Voilà pour. Excusez-moi, j'ai éteint la lumière, j'aurais pas dû. Donc voilà quoi. Si vous voulez faire un réglage comme j'ai fait, quoi. Un réglage, que je suis idiot. c'est plus un repère sur le volant magnétique. Ben, il faut savoir que sur les allumages électroniques des modèles Centro 3SPX, quoi. Donc déjà, comme je vous disais tout à l'heure, cette fameuse plaque là qui est soudée sur le volant doit arriver à ras du capteur dans le sens de rotation. Donc grâce à ça, quoi, c'est ça qui m'a permis de faire un premier repère, quoi. Vous voyez le tout premier que j'avais, que maintenant j'ai supprimé, effacé au cutter. Après, si vous le pouvez, bien sûr, acheter une lampe strobo. Moi, je l'ai acheté, elle m'a coûté 50€, quoi. Donc je sais que je vais m'en servir pour d'autres allumages et tout ça, donc elle me servira. Maintenant, c'est sûr que si vous n'avez pas forcément les moyens, ne le faites pas. Mais bon. Si vous le pouvez, bon, après pour l'alimentation, vous voyez, soit vous optez pour une batterie, ou soit comme moi, ben, vous essayez de trouver un chargeur ou une alimentation d'une lampe en 12 volts, voyez. Et pour le repérage des pôles, quoi, c'est assez facile. C'est un gars qui m'a filé l'astuce sur les deux câbles, sur l'un des deux, il y a marqué un plus, vous savez, mais un tout petit, pour avoir une très bonne vue, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, donc, c'était tout ça pour l'allumage, quoi. Maintenant, ben, écoutez, je vais continuer. Je vais tomber le moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, j'avais changé le taux de compression et j'ai pas pris, par contre, mes diagrammes, quoi. Donc, voilà, quoi. Je vais refaire mes diagrammes. Et parce que je me suis acheté une cale de 1 mm que je compte mettre sur la base. Donc, voilà, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai démonté mon moteur, je l'ai monté sur l'établi, j'ai déjà monté mon comparateur, quoi. J'ai déjà fait un petit premier test pour voir mes deux repères sur le volant par rapport au comparateur, parce que sur le fameux livre que je vous disais tout à l'heure, quoi, le tout sur le 103 SP-SPX, quoi, il disait que ces allumages-là, ces allumages électroniques, étaient réglés avec une avance de 0,9. Donc, et là, c'est là que je trouve ça un petit peu ambigu, parce que quand j'ai fait le réglage, là, vite fait, là, je vois que hein, mon repère, d'après ce que me donne la lampe, quoi, la lampe, elle triche pas, hein, je dirais non plus, mes deux repères, comme on l'a vu, étaient alignés, sauf que avec le comparateur, ça me dit autre chose, quoi, c'est ça qui est bien. Hein. Donc, alors, je vais vous montrer ça vite fait. Alors, attendez, on va remonter le piston et on va se remettre à zéro. Voilà. Là, vous voyez, on est vraiment à 0. Donc, on va reculer pour se mettre à 0,9. Hop.
voyez, là, on est à peu près à 0,9. Alors, je suis désolé pour le bruit, mais il y a des gamins qui sont dans le parking, qui sont en train de s'amuser. Je sais pas ce qu'ils foutent là, quoi, mais bon, passons. Donc voilà, alors comme vous pouvez voir, mon comparateur, lui, indique 0,9. Alors déjà, ici, au niveau des repères, vous voyez, on voit qu'on n'est plus aligné du tout. Par contre, ici, ce qui est pas mal, c'est... Alors, je sais pas, je vais essayer de... Ah, voilà. Vous voyez, on voit le capteur qui est... Alors, je suis désolé de vraiment de tout trembler, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Vous voyez la plaquette de la plaque soudée sur le volant, elle est vraiment à fleur, comme on disait dans le livre, quoi. Comme ils expliquaient, quoi, ils disaient qu'il fallait que elle soit à ras, quoi, d'après l'image que j'avais trouvée, quoi, moi. Hein. Donc, j'essaie vraiment de vous montrer ça. C'est pas très évident, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il faut en penser. Donc là, parce que moi, d'après la lampe, comme on l'a vu tout à l'heure, quoi, je suis vraiment aligné et là, je le suis plus du tout par rapport au comparateur. Si vraiment j'aligne quasiment les deux repères, en fait, ce qui est, ce qu'on va faire, quoi, je vais vous montrer. J'avais trouvé une avance de 1,3. Alors, attendez, voilà, on va mettre les deux repères quasiment, même, voilà. Voilà, et vous voyez, sur l'avance, là, en fait, on n'est plus à 0,9, mais on est plutôt à 1,25, ouais, d'avance, quoi. Donc, et là, on est vraiment, voilà, comme on était tout à l'heure avec la lampe, quoi. Vous voyez, c'était là, c'est pile poil. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, ça. Je vais essayer de le régler réellement à 1,3. C'est ce que je voudrais faire, quoi. Parce que le truc, c'était que j'avais un problème sur ce moteur. Sur ma dernière vidéo, comme je l'ai expliqué, quoi, j'avais fait des tests ici dans le parking, quoi. Comme vous pouvez voir, j'ai fait juste un aller-retour, quoi. Et j'étais déçu par les accélérations. En accélérant même à fond, il n'y avait rien du tout, quoi. Je veux dire, autant à bas régime, le moteur gueulait, mais comme pas possible, quoi. Ça monte à peu près de plus ou moins dans les tours, mais la mobilette, elle avance pas du tout, quoi. Alors du coup, je me suis dit peut-être que ça venait des garnitures, des mâchoires, vous savez, d'embrayage, quoi, qui étaient fatiguées. Et comme on peut voir, en fait, j'ai encore de la garniture dessus, quoi. Vous voyez, voilà. Bon, il y a un peu de poussière parce que, bon, voilà, ça s'use, ce qui est tout à fait normal, mais les mâchoires, elles sont encore bonnes, quoi. Pour moi, il y a encore de la matière, ça doit gripper. Et en fait, ça ne grippait pas du tout. Vous voyez, même le pignon, j'ai regardé, j'ai un pignon de 10 avec une couronne à l'arrière de 48. Bon, vous allez dire, ouais, t'as une couronne 48. Mais comme je le disais, quoi, moi, j'avais un 103 à mon époque, quoi, j'avais un 103 SP avec allumage en plus à vis platinée et pas allumage électronique, ce qui est, je vous avoue, il y a une différence quand même, surtout à bas régime, avec tout juste un carbu 15 avec des clapets et un pot. Et vous voyez, j'avais un peu plus de pêche que ce moteur là, quoi. Donc je comprends pas. Alors, je sais pas si ça vient de l'allumage, je sais pas si j'ai fait un truc en montant, j'ai cassé quelque chose, quoi, en montant, je sais pas, parce que ça gueule, là, oui, c'est truc. Il y a aussi autre chose, vous voyez, anomalie que j'avais remarqué, c'est là, quoi. Ah, ouf, alors là, on le voit correctement, là. Là, alors, regardez, je sais pas si vous allez voir bien la lumière, vous voyez, lui là qui sort, lui là, le mélange non brûlé, quoi. Il y en a. Une ribambelle au niveau de la cartouche, là on le voit pas très bien, hein. Là je viens de voir, là, voyez, sur l'avant, il y en a énormément, quoi, en fait, hein. Et en fait, moi, quand j'ai démonté mon pot au niveau de la sortie d'échappement, là ça a coulé pas mal, quoi. C'est pour ça que le pot lui-même a été posé sur le chiffon, parce que j'ai fait pas mal de traces d'huile, quoi, traces d'huile, c'est parce que ça ressemble à vous voyez, à de l'huile moteur de voiture, quoi, mais ça n'en est pas, quoi, hein, je veux dire, ça n'est pas du tout. Donc, ce que je vais essayer de faire là, en fait, c'est de remonter tout ça, remonter mon embrayage vite fait, remonter mon moteur et décaler l'allumage, quoi, à 1,3 pour voir si je vois une différence, quoi. Sinon, ben, il va falloir que moi, je pense qu'il va falloir que je démonte le moteur, j'ouvre le moteur au niveau des clapets ou je sais pas, quoi, ou peut-être de regarder le... Parce que là, j'ai pas d'idée, quoi. Je vous avoue que pourquoi j'ai pas de pêche avec ce moteur, même avec une couronne 48, quoi. Je veux dire, il y aurait quand même, vous voyez, dès que le moteur, dès qu'on commence à faire les premiers mètres, ça devrait partir quand même un petit peu, quoi. Je veux dire, et tandis que là, il n'y a rien du tout. Même avec un allumage d'origine électronique, il devrait se passer quelque chose. Et là, par contre, on voit que le pot, comme je disais, était rempli
de mélange quoi, de non brûlé quoi. Vous voyez que ça prouve qu'il y a un truc qui brûle pas correctement. Peut-être je me dis. Alors peut-être ça mène à l'allumage, je sais pas quoi. Bon. Toujours est-il que je vais m'attacher à tout remonter. Voilà. Donc je vais commencer déjà par l'allumage, à l'ouvrir et à le décaler. Bon voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai démonté mon volant. Alors, avant toute chose, sachez que moi, quand j'ai démonté, avant de monter le volant, j'ai fait un deuxième repère. Pourquoi ? Parce que celui-là, là, le repère que je vous montre là, c'est le fameux repère qui était à peu près aligné, ou ouais, tout le monde qui était aligné avec la platine, quoi, avec le fameux petit B qu'on voit là, vous voyez. Du coup, moi, j'en ai fait un deuxième. J'ai monté mon moteur au point mort haut, mis le comparateur à zéro, bien sûr, hein, pour être sûr que je suis bien à zéro, et j'ai fait un deuxième repère sur la platine et sur le volant. En fait, je me suis servi vraiment de ce repère-là, parce que j'ai vu tout à l'heure, celui-ci, quoi, vous voyez, quand on était à 0,9, apparemment, j'étais pas vraiment aligné, donc je veux voir vraiment, en repartant, en fait, si vous préférez, de l'autre repère, et me calant à 1,3 d'avance, est-ce que ça va être bon ou pas, quoi. Donc voilà. Bon, on va dire que quelque part, je t'ai plus d'expérience, quoi, hein, donc il me semble que par le passé, je faisais comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Mais bon. Alors... Ce qu'on va faire, déjà, on va reculer dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, excusez-moi, pour mettre le comparateur à 1,3 d'avance. Alors là, vous voyez, 1,1, 1,2, et quand on arrivera à sauter 10, on sera... Bon, on voit bien que là, j'ai dépassé... C'est vraiment un poil de cheveux. Hein. Voilà. Là, on y est. Alors, on va chercher le volant magnétique. Voilà. Donc, voici mon repère que je dois aligner avec celui de la platine. Voilà, là, c'est aligné, et comme on peut voir, je suis toujours à 1,3 d'avance. Voilà. Désolé, mais avec une seule main, c'est pas évident, et je vais devoir poser au téléphone pour pouvoir serrer mon volant, en fait. C'est ce que je vais faire de suite, quoi. Sinon ça va glisser et ça va pas marcher. Bon voilà, ça y est, j'ai remonté mon volant, je l'ai serré nickel et j'en ai profité. Du coup, comme j'avais bloqué avec un bloc piston, j'ai remis le comparateur, j'ai monté le piston au point mort haut et mettre mon comparateur à zéro. Et là, comme on peut voir, ici, vous voyez, il y a le premier repère que j'avais fait quand j'avais fait mon test tout à l'heure avec ma lampe strobo. Du coup, ici, on voit mon deuxième repère que j'ai fait sur ma platine. Et ici, le repère que j'ai fait qui devrait être encore condensé ici avec celui-ci quand je serai à 1,3 d'avance, quoi. Donc, ce qu'on va faire là, hop, on va reculer notre avance. Vous voyez, hop, là, ça fait une boucle entière. Ça fait 1,2. Et on y est presque à 70. Et... Si vous voulez bien y rester, ça m'arrangerait beaucoup, mais bon, apparemment, quand je relâche, ça veut pas. Peu importe. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez, mes deux repères sont pile poil quoi dessus. Et à mon comparateur, je suis maintenant réellement à 1,3 quoi. Voilà, donc ça c'est nickel. Donc, vous voyez, bon là ça a bougé un petit peu. Je sais pas pourquoi, chaque fois, j'ai l'impression que le piston redescend ou quoi. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est de remonter l'embrayage, bien sûr, hein, remonter le moteur et de refaire un test de roulage pour voir comment va réagir le moteur maintenant avec l'avance que j'ai mis sur cet allumage. Quoi. Bon, mais voilà, quoi, comme vous pouvez voir, ben, j'ai remonté mon moteur, j'ai tout fait. Quoi. J'en ai profité ben, du coup pour faire un test de démarrage et il a démarré du premier coup de kick, donc je suis très content. Direct, ce que j'ai fait, ben, tant qu'il était allumé le moteur, ben, j'en ai profité vite fait. Ben, pour faire un aller-retour dans le parking pour faire un test de roulage, voir comment se comporte le moteur. Et il se comporte beaucoup mieux que avec cette avance là que j'ai maintenant qui est de 1,3 mm par rapport à celle que j'avais au départ, c'est-à-dire d'origine avec la clavette de 0,9.
Le truc, c'est que maintenant, le problème qui se pose à moi, c'est quoi? C'est que, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est que, je vais chercher ma deuxième lampe. C'est que, comme vous pouvez voir, surtout le problème sur ces moteurs-là, j'ai pas de place, vous savez, pour mettre un filtre air. Ce qui fait que, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de trouver une durite de refroidissement liquide de voiture. Vous voyez, j'espère que je pourrai en trouver une. Pourquoi? Parce que je vais faire à peu près le même système que les MK, c'est-à-dire sortir le carburateur de sa place, là où il est, et de le mettre quasiment à 90 degrés par rapport au moteur. Ce qui va me permettre de pouvoir mettre un filtre air dessus, et à partir de là, je vais pouvoir faire mes réglages carbu, quoi. Et là, au moins, ça sera un peu mieux, quoi. Quand ça sera fait aussi, mais du coup, bien sûr, je vais virer l'allumage, parce que ça, l'allumage, je comptais pas le laisser sur ce moteur-là. Vu que j'ai un allumage MTV, je montrerai l'allumage MTV. Et quand j'aurai fini tout ça, à partir de là, je redémonterai tout, le moteur, tout ça de sa place, bien sûr. Cette fois-ci, ce sera l'ensemble qui sera totalement démonté, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, je compte pas laisser ma mob dans cet état-là, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, quoi. Elle est pas belle, hein. Donc, attendez, donc bien sûr je vais tout démonter, fourche, jante, tout pour essayer et essayer de trouver un bon carrossier pour me la repeindre, quoi. Alors je ne sais pas si je vais le faire moi, mais bon, le problème c'est qu'ici, vous voyez, dans mon petit garage, quoi, j'ai pas la place pour peindre, et franchement j'ai vraiment envie de faire un truc nickel, super propre et tout, que de faire un truc dégueulasse, quoi. Donc voilà, il va falloir que je démonte vraiment tout, quoi, c'est-à-dire les fourches, tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les étapes suivantes. Et à partir de là, je pourrais aller à la préfecture, changer la plaque d'immatriculation, hein, du moins faire la carte grise, parce que la carte grise n'est pas encore à mon nom, et acheter une plaque et l'assurer d'aller pouvoir rouler, quoi. Donc voilà, quoi. Mais écoutez, c'était tout pour cette nouvelle vidéo, quoi. Écoutez, je vous dis juste rendez-vous à la prochaine, hein. Ciao, ciao.